Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. I keep myself by a simple attention and a general fond regard to God, which I may call an actual presence of God, or an habitual, silent, and secret conversation of the soul with God, which often causes in me joys and raptures inwardly, and sometimes also outwardly. Please watch on for inspiring, spiritually intimate letters by the beloved Brother Lawrence of France. Today's program will be presented in French with subtitles in Arabic, Olasiz, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Bonjour et bienvenue, sincères téléspectateurs. Je suis Michel de Langoiran, une commune à la beauté naturelle. Nous, les fidèles français, vous envoyons notre sincère amitié et nos meilleurs vœux. Que Dieu vous couvre de bénédictions. Au XVIIe siècle, frère Laurent de la Résurrection était un frère convert de l'ordre chrétien, appelé les Carmes des Chaux en France. Né sous le nom de Nicolas Hermann, dans une famille humble et ayant grandi à une époque de conflits prolongés, la pauvreté le force à rejoindre l'armée. Après avoir été témoin des horreurs de la guerre et de retour à la vie civile, il affirme avoir eu une expérience intérieure qui marquera le début de son voyage spirituel. Il décide alors de consacrer sa vie à Dieu. Et à l'âge de 26 ans, il entre au prieuré des Carmes des Chaux à Paris, où il prend son nom religieux, Laurent de la Résurrection. Servant humblement au prieuré, en travaillant en tant que cuisinier, puis dans ses dernières années en tant que savetier, frère Laurent se fait peu à peu connaître pour sa profonde sagesse spirituelle, son comportement paisible et sa relation étroite avec Dieu. Il est très respecté, non seulement par les pauvres, mais aussi par les érudits et les ecclésiastiques, tels que l'archevêque de Cambrai, François Fénelon. Une partie des conversations et des lettres du frère Laurent sont devenues la base d'un livre, La pratique de la présence de Dieu, qui a été compilé par le célèbre ecclésiastique, l'abbé Joseph de Beaufort, après sa mort. L'abbé, qui a pris les notes pendant les entretiens de frère Laurent, a déclaré « Frère Laurent avait un accueil ouvert, qui donnait de la confiance et faisait sentir qu'on pouvait tout lui découvrir. Au travers d'un extérieur grossier, on découvrait une sagesse singulière, une liberté au-dessus de la portée ordinaire d'un frère convert. » Nous vous présentons maintenant des extraits de la pratique de la présence de Dieu, la meilleure règle de la vie sainte, par frère Laurent de la Résurrection, première partie de deux épisodes, une expression simple d'une foi pure et sincère qui élève le cœur et l'esprit. Première lettre. Comment le sens habituel de la présence de Dieu a été trouvé? Puisque vous souhaitez avec tant d'empressement que je vous fasse part de la méthode que j'ai gardée pour arriver à cet état de présence de Dieu, où notre Seigneur, par sa miséricorde, a bien voulu me mettre, je ne peux vous céder que c'est avec bien de la répugnance que je me laisse gagner à vos importunités, mais encore avec cette condition que vous ne communiquiez ma lettre à personne. Si je savais que vous dussiez la faire voir, tout le désir que j'ai de votre perfection ne serait pas capable de m'y résoudre. Voici ce que je peux vous en dire. Ayant trouvé dans plusieurs livres des méthodes différentes pour aller à Dieu et diverses pratiques de la vie spirituelle, j'ai cru que cela servirait plutôt à embarrasser mon esprit qu'à me faciliter ce que je prétendais et que je cherchais et qui n'était autre chose qu'un moyen d'être tout à Dieu. Ce qui me fit résoudre à donner le tout pour le tout, ainsi, après m'être donné tout à Dieu, en satisfaction de mes péchés,
je renonçais pour son amour à tout ce qui n'était pas lui. Et je commençais à vivre comme s'il n'y avait que lui et moi au monde. Je me considérais quelquefois devant lui comme un pauvre criminel et aux pieds de son juge. D'autres fois, je le regardais dans mon cœur comme mon père, comme mon Dieu. Je l'ai adoré le plus souvent que je pouvais, tenant mon esprit en sa sainte présence et le rappelant autant de fois que je l'en trouvais distrait. Je n'eus pas peu de peine à cet exercice que je continuais malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées, sans me troubler ni m'inquiéter lorsque j'étais distrait involontairement. Je ne m'y occupais pas moins pendant la journée que pendant mes oraisons, car en tout temps, à toute heure et à tout moment, dans le plus fort même de mon travail, je bannissais et éloignais de mon esprit tout ce qui était capable de m'ôter la pensée de Dieu. Voilà ma pratique ordinaire depuis que je suis en religion, quoique je ne l'ai pratiquée qu'avec beaucoup d'imperfections. J'en ai cependant reçu de très grands avantages. Je sais bien que c'était à la miséricorde et à la bonté du Seigneur qu'il faut les attribuer, puisque nous ne pouvons rien sans lui, et moi encore moins que tous les autres. C'est qu'à force de le considérer de la sorte, nous prenons une sainte liberté pour lui demander les grâces dont nous avons besoin. Enfin, c'est qu'à force de réitérer ses actes, ils nous deviennent plus familiers et la présence de Dieu devient comme naturelle. Remerciez-le, s'il vous plaît, avec moi, de sa grande bonté à mon égard, que je ne peux assez admirer pour le grand nombre des grâces qu'il a faites à un aussi misérable pécheur que moi. Qu'il soit béni de tout. Amen. Deuxième lettre. Différence entre lui, frère Laurent de la Résurrection, et les autres. Uniquement la foi, de façon consistante et constante, désapprouvait cet état d'être considéré comme une illusion. Ne trouvant pas ma manière de vie dans les livres, quoique je n'en sois aucunement en peine, cependant, pour plus grande assurance, je serais bien aise de savoir votre sentiment sur l'état où je me trouve. Il y a quelques jours, que dans une conférence particulière avec une personne de piété, elle me dit que la vie spirituelle était une vie de grâce, qui commence par la crainte servile, qui s'augmente par l'espérance de la vie éternelle, et qui se consomme par l'amour pur, que les uns et les autres ont de différents degrés, par où l'on arrive enfin à cette heureuse consommation. Je n'ai pas suivi toutes ces méthodes. Au contraire, je ne sais par quel attrait, elles me firent peur d'abord. Ce qui fut cause qu'à mon entrée en religion, je pris la résolution de me donner tout à Dieu en satisfaction de mes péchés et de renoncer pour tout son amour à tout ce qui n'était pas lui. Pendant les premières années, je m'occupais dans mes oraisons ordinairement des pensées de la mort, du jugement, de l'enfer, du paradis et de mes péchés. J'ai continué de la sorte pendant quelques années, m'appliquant soigneusement le reste du jour et même pendant mon travail, à la présence de Dieu que je considérais toujours auprès de moi, souvent même dans le fond de mon cœur. Je fis ostensiblement la même chose pendant mes oraisons, ce qui me causait de grandes douceurs et de grandes consolations. Cette pratique me donna une si haute estime de Dieu que la foi seule était capable de me satisfaire sur ce plan. Voilà par où j'ai commencé. Je vous dirai pourtant que durant les 10 premières années, j'ai beaucoup souffert. L'appréhension que j'avais de n'être pas à Dieu comme je l'eusse souhaité, mes péchés passés toujours présents à mes yeux, et les grandes grâces que Dieu me faisait étaient la matière et la source de mes maux. Durant tout ce temps, je tombais souvent et je me relevais aussitôt. Il me semblait que les créatures, la raison, et Dieu même fussent contre moi, et que la foi seule fut pour moi. J'étais quelquefois troublé des pensées que c'était un effet de ma présomption, que je prétendais être tout d'un coup où les autres n'arrivent qu'avec peine. D'autres fois que c'était me damner à plaisir, qu'il n'y avait pas de salut pour moi. Lorsque je ne pensais plus qu'à finir mes jours dans ces troubles et ces inquiétudes, qui n'ont rien diminué de la confiance que j'avais en Dieu, et qui n'ont servi qu'à augmenter ma foi, je me trouvais tout d'un coup changé, et mon âme, qui jusqu'alors était toujours en trouble, se sentit dans une profonde paix intérieure, comme si elle était en son centre et en un lieu de repos. Depuis ce temps-là, je travaille devant Dieu simplement, en foi, avec humilité et avec amour, et je m'applique soigneusement à ne rien faire, à ne rien dire et à ne rien penser qui lui puisse déplaire. J'espère que lorsque j'aurai fait ce que j'aurai pu,
il fera de moi ce qui lui plaira. Pour vous dire à présent ce qui se passe en moi, je ne le puis exprimer. Je ne sens aucune peine, ni aucun doute sur mon état, comme je n'ai pas d'autre volonté que celle de Dieu que je tâche d'accomplir en toutes choses, et à laquelle je suis si soumis que je ne voudrais pas lever une paille de terre contre son ordre, ni par un autre motif que son pur amour. J'ai quitté toutes mes dévotions et prières qui ne sont pas d'obligation, et je ne m'occupe qu'à me tenir toujours en sa sainte présence, en laquelle je me tiens par une simple attention et un regard général et amoureux en Dieu, que je pourrais nommer présence de Dieu actuelle, ou pour mieux dire, un entretien muet et secret de l'âme avec Dieu, qui ne passe quasi plus, ce qui me cause quelquefois des contentements et des joies intérieures, et souvent même extérieures, si grandes que pour les modérer et empêcher qu'elles ne paraissent au dehors. Enfin, je ne peux nullement douter que mon âme ne soit avec Dieu depuis plus de 30 ans. Téléspectateurs attentifs, nous avons apprécié votre compagnie dans Paroles de Sagesse aujourd'hui. S'il vous plaît, retrouvez-nous demain pour la deuxième partie des extraits de la pratique de la présence de Dieu, la meilleure règle de la vie sainte, par Frère Laurent de la Résurrection. Dans un instant, retrouvez la musique qui entraîne les ondes cérébrales avec Monsieur Stephen Halpern, première partie de 2 épisodes. Juste après les nouvelles d'exception, ici, sur Supreme Master Télévision. Restez avec nous pour plus de programmes positifs. Que votre âme s'éveille à son trésor divin dans la présence aimante et édifiante de Dieu. Mindful viewers, we appreciate your company on today's Words of Wisdom. Please, join us again tomorrow for the second part of Selection from the Practice of the Presence of God, The Best Rule of Holy Life by Brother Lawrence. Coming up next is Brainwave Entrainment Music with Dr. Stephen Halpern, Part 1 of 2, right after Noteworthy News, here on Supreme Master Television. Please stay tuned for more constructive programming. May your soul awaken to its divine treasure in the ever-loving and uplifting presence of God. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/WOW. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में कृपया देखें suprememastertv.com/schedule और suprememastertv.com/WOW 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/WOW Rancangan kami menawal kampanye bahasa sila kunjungi suprememastertv.com/keharapan-schedule dan suprememastertv.com/keharapan-WOW برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/WOW Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule и suprememastertv.com/WOW รายการของเรามีให้หลายภาษาโปรดดู suprememastertv.com/schedule และ suprememastertv.com/WOW